Raconter une histoire. Une histoire qui se passe dans l'école Pierre Merle de Nice et qui concerne trois enfants du cours élémentaire deuxième année. Ils ont 8 ans. Ils ont 8 ans et lors de la récréation, la semaine dernière, ils sont devant un arbre, à genoux et la tête contre le front, le front contre la terre, parce qu'ils ont vu un tissu blanc sur l'arbre et ils jouent. Les enfants qui ont peur parce qu'il y a un fantôme sur l'arbre. C'est un jeu d'enfants, c'est-à-dire des enfants, quoi. Ils jouent aux fantômes. Mmh. Mais les adultes les voient à genoux, la tête contre la terre, le front contre la terre. Qu'est-ce qu'ils font, les adultes, les instituteurs? Ils appellent le rectorat. 3 islamistes. 8 ans. Oh, mon Dieu, la République en danger. La nouvelle se diffuse à Nice. Il y a des islamistes, tout jeunes. On est... C'est horrible. Regardez Marion Maréchal. Elle était de passage à Nice, sur une radio locale, à ce moment-là. Écoutez-la. Elle connaît rien à l'histoire, hein, mais quand même, elle en parle. Alors, je pense qu'il faut une graduation dans la peine. Ce qui m'interpelle, c'est que on voit là de très jeunes enfants, malgré tout, qui sont dans une revendication d'ordre religieux. Mais elle n'y connaît rien, hein. Mais la revendication est d'ordre religieux, elle en est sûre, hein. Regardez, le Figaro, le journal du dimanche, qui, sur leur site, des élèves de CE2 organisent une prière musulmane dans leur école. Alors qu'est-ce qu'il fait, notre ami Christian Estrosi? Ben, il convoque les parents. En présence de la rectrice, c'est une femme qui dirige là-bas l'éducation nationale, et les parents des trois familles se retrouvent à la mairie de Nice. Et ils expliquent que leurs enfants, ils jouent aux fantômes. Et alors là, confusion générale, mais on s'excuse de vous avoir dérangé, mesdames, messieurs. Et les parents disent, mais en fait, on n'est même pas religieux, on n'appartient même pas à la communauté maudite que vous soupçonnez de tous les péchés, donc voilà, foutez-nous la paix, quoi, en gros. Hein. Eh bien voilà, Christian Estrosi, il a fait un communiqué après. Il a fait un communiqué où il remercie les parents de leur coopération. Cependant, écrit la mairie de Nice, notre devoir est de rester particulièrement vigilant face aux incitations d'enfreindre la laïcité. S'il avait eu 2 sous d'honnêteté, il aurait demandé, il aurait dit, ben on est tous un peu ridicules à Nice, quoi. Voilà. Mais il n'a pas fait, eh bien on le fait ce soir. À Nice,